Salut à tous les amis, c'est Izuki. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode avec Mr. Pollux. Ouais, ouais. Bon, il vient de rejoindre l'aventure. Parce que on a besoin, c'est bien d'avoir un petit peu de monde pour aider des fois. Donc, pour cet épisode, on va être parti pour. Du moins, moi, je vais ramasser toutes les bottes donc, qui sont ici. Et Monsieur Paul va aller nous chercher. Enfin, nous continuer de passer le culti. Dans les champs qu'on a moissonné, et après on commencera le semis. Pas tout bon. Donc, tu peux y aller, mon petit. Moi, je vais commencer Allez. Aussi mon aventure avec mes petites bottes là. Hop. Donc, putain, j'ai vu que les deux premières vidéos, ça vous a bien plu. Il y a pas mal de gens aussi qui s'abonnent, donc ça fait plaisir. Donc ça me donne envie de continuer. Comme on avait dit dans le précédent rec qu'on avait fait, qui a complètement bugué, c'est impressionnant. Là, je sais même pas combien c'est, mais tu vois, ça a dû bien monter là-haut depuis. Bah déjà hier, ouais, quand on a fait le Hier, rec, c'était presque 3. On était à 392, un truc comme ça. Ah ouais, tu vois. Bah, je crois que c'est passé aux 400. Hein. Donc. Ah bien plus, ça a bien plus, ça fait plaisir. Du coup, bah là pour l'instant, on fait pas trop les défis parce que bon, c'est pas qu'on n'a pas qu'on peut pas, mais bon, j'en ai pas vraiment beaucoup pour l'instant. C'est juste les animaux, du moins l'objectif principal. Ah, il faut que j'enlève ça. Donc on verra bien. Là, on peut faire des laitues rouges et des melons à la ferme, le petit potager. Ça serait bien bizarre. De. La première vidéo, on est à 450 vues. Ouais, tu vois. Puis l'autre, bah, du coup, la première aussi, elle augmente, vu que la première, bah, elle marche bien. Donc, ça fait plaisir. La deuxième, ouais, 270. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, enlever ça. Non, hop, voilà. Chiant le truc de course play, là, quand faut charger avec le clic droit. Ouais, donc bah moi je vous fais un petit accéléré tant qu'on ramasse, et puis après bah, on se retrouve juste après pour le semi derrière derrière Mr. Pollux.
C'est bon, moi j'ai fini de ramasser les petites bottes. Paul, lui, vient de finir son premier champ. Et puis là, je crois que t'es parti sur un deuxième, c'est ça? C'est ça. Pas parfait. Alors bah, maintenant, vu que la partie elle est à deux, il y avait un truc que j'arrête de me poser comme question. Parce qu'à la base, j'avais le champ, bah, juste à un champ de d'avoine juste à côté là. Je sais pas si t'as vu. 88. Ouais, si, j'ai vu, j'ai Je l'ai vu. vendu. Parce que c'était beaucoup trop loin pour aller avec la batteuse. Hein. Déjà que avec le tracteur et le télescopique, c'est assez casse-couille. Alors avec une batteuse à 25 km/h, bon. Et là, j'arrête de me demander, est-ce qu'on vendrait pas aussi les champs d'herbe? Parce que franchement, ça fait loin pour des champs d'herbe. Oui. Après, au fur et à mesure de la série, puis plus tard, on pourra racheter par là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément des champs d'herbe autour de la ferme, tu vois. À part, ouais, il y a des champs derrière, le 133, 132, 134, Ah, il y a mais c'est 16. gros. Ouais, c'est des gros, mais bon. Il y Après, on a peut acheter le 37, 13. Il y a le 13 à 37, côté 34. du 12. Je pense que, ouais, on va peut-être faire ça. Ouais. C'est quand même assez loin, à chaque fois, faut y aller, quoi. C'est bon, c'est pas dérangeant, mais bon, c'est pour la rapidité de la vidéo, et puis pour nous aussi. Rapide, Oh, déjà d'une, ouais. je sais pas, on verra ça un peu plus tard, je pense. Peut-être fin de vidéo, le temps qu'on se décide. Moi, je vais venir t'accompagner semer. Enfin, venir derrière toi pour semer. Arrivé au champ, on va s'amuser à tout semer maintenant.
Hop. Qu'est-ce qu'on peut semer déjà? Bon, on peut mettre. On va peut-être remettre. On va peut-être faire du colza, tiens. Faire du colza. Pas très bien comme ça. Hop. Et on est parti. On va enlever ça aussi. Bon, les suspensions du tracteur, c'est excellent. Hein. Tu vois que ça saute. Hein. On va faire un aller-retour là. Bon, ça se passe de ton côté, mon petit? Oh bah oui, ça se fait tranquillou. Bah, ça va repartir sur un accéléré du semi-là. Hein. Et on se retrouvera sûrement à la fin de la vidéo parce qu'on va faire que ça. Et peut-être qu'on va changer de truc aussi. Je vais peut-être juste mettre le semoir parce que du coup, ça sert un peu à rien le. C'est vrai qu'il me sert un peu à rien du coup. Bon, on va y voir ce que ça fait. Bon, bah, du coup, j'ai enlevé le. Le petit truc derrière, ça servait à rien. Le mode est un peu bizarre. Enfin, je sais pas, c'est. Ah bon. Pas grave. Donc nous, on va continuer, on va semer et puis on se retrouve juste après. You say you wanna try, but you never do.
bah ça c'est fait. Le champ, enfin les autres champs, je les ferai un peu plus tard. Pour l'instant, on va donner à manger aux petits moutons. Hop. Ah non, c'était pas lui. Ah vas-y mon petit polo, hein. Fais-toi mémuse. Par contre, ouais. Ah, tu m'uses là. Normalement, ça doit prendre les deux bottes. Pense. Normalement. Ah. Ouais, ça avait pris. Attends, faut juste que je me décale. C'est plein. Ah, c'est que c'est plein. Bah, laisse-les là, les bottes. Hein. Ah, dès qu'il y en aura besoin. Putain. L'entrée est pas assez grande. Non. Yep. Ah, je te vois en double. Bonjour monsieur, vous allez bien? Impeccable, nickel. Ah, c'est parfait alors. Wesh, mais tu fais quoi avec la griffe? Je suis la mets comme ça. Nice. Ah, je peux plus me mettre en... Ok, cool. Voilà. Bon, on va se mettre là. Hop là. Bon bah les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez d'autres défis, bon pour l'instant les défis comme j'ai dit au début de la vidéo, on les fait pas trop parce que pour l'instant on essaye d'avoir ce qu'il faut pour commencer à avoir un peu plus d'argent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les deux champs aussi d'herbe? On les vend, on les vend pas? Puis faudrait en vendre les deux pour On en vend les acheter deux un pour plus en... grand à Ouais. côté de la ferme ou... Après on peut en acheter un à côté de la ferme puis le mettre en herbe, hein, ça sera pas le plus grand des problèmes. Et bah sur ce, c'était Izuki et Mr. Pollux. Ciao! À la prochaine.